Ils ont parcouru le monde entier avec leurs installations délirantes, presque hallucinatoires. La Russie, le Liban, le Brésil et désormais, c'est au musée de Valence que revient la chance d'accueillir ces deux artistes aussi originaux que géniaux, presque loufoques même, osons le dire. Alors il s'agit des Suisses Gerda Steiner et Jörg Lenzinger et pour l'heure, eh bien, le musée voit très grand et leur laisse carte blanche pour installer leurs créations délirantes sur l'intégralité des espaces. Leur credo, eh bien, c'est faire de l'art un véritable jeu, un moment joyeux et sans prétention à partager, sans pour autant perdre le sens du message. Et franchement, chapeau bas, il nous offre une déambulation aussi féerique que perchée, transformant le musée en monde d'Alice au pays des merveilles. Formes hybrides non identifiées, matières brutes ou sophistiquées, images en mouvement ou figées, sons étranges et poétiques, nous sommes littéralement plongés dans un autre univers, au cœur d'une nature hallucinée. Où est le début? Y a-t-il une fin? Et si vous n'êtes pas là pour regarder en bon observateur distant, mais bel et bien pour vivre et ressentir, en acteur investi. Plus qu'une exposition, il s'agit d'une expérience qui nous invite à ressentir, mais aussi à penser. Une exposition pleine d'humour qui ne se prend pas au sérieux, mais qui réussit magnifiquement et avec le sourire à nous faire réfléchir à ce qui fera notre monde de demain, ou au contraire à ce qui le défera. Derrière les hybridations fluo et psychédéliques, les artistes nous interrogent sur les questions de la fertilité, de la croissance, de la métamorphose et de la mainmise de la science sur une nature devenue 2.0, bien inquiétante. Une forêt magique de plus de 70 œuvres qui la composent et qui nous offre un monde alternatif, dégénéré ou régénéré, à vous de voir, digne de celui du Grand Schtroumpf au royaume champignon, une escale farfelue qu'on ne peut que vous recommander.